Bonjour. Bonjour. Il y a quelques années ou bien quelques mois, Oui, c'est des années. des années, vous étiez venu voir papa Florian à cause de ta petite fille qui est là. Ouais. Elle était vraiment malade. Vous nous dites ce qu'elle avait. C'est ma petite fille, c'est au cours d'un funérail. Une fille était à Port-Beau ici, c'est elle qui m'a parlé. À Dalon là-bas, c'est au cours d'un funérail, elle m'a dit qu'il y a un homme de Dieu à Port-Beau là-bas, en tout cas chez elle là-bas, les merveilles se passent. Bon, moi j'avais encore ça comme ça. Un moment après, là, après le funérail, on s'est quitté. Ma petite fille a son bras est enflé. Juste ça, c'est devenu comme ça. Quand le médicament de Bété, on n'a pas mis marabout, tu, les gens qui vendent des médicaments traditionnels au marché, on met, au fur et à mesure, on met, le bras devient solide. Ça sent, on ne dort pas la nuit, on ne dort pas la journée. Ça veut dire, ah, ça là, on doit arrêter. Et puis ça a duré combien de temps? Ça a duré un mois d'arrivée là-bas. Au fur et à mesure, ça se raccourcit, ça rentre. Oh, le bras était lié d'un câble. C'était un câble qui était lié. Bon, comme on n'a pas ses yeux là, on ne voyait pas. Nous, on voyait ça enflure comme ça. C'est comme ça, un jour, la soeur là, je l'ai trouvée au coin là-bas. J'ai dit, pardon, l'homme de Dieu, tu m'as parlé de lui là, Paul Boué là. Allons chez lui. Elle dit, aujourd'hui là, il a préparé ma soeur de 2 jours. J'ai dit, regarde, pardon, là. Elle m'a laissé préparer sa soeur de 2 jours. Le lendemain, on est venu. Elle ne me connaît pas aussi. On a commencé à chercher jusqu'à on arrive, c'était en bas là-bas. Bon, quand on s'est présenté, papa a prié, il a mis sa serviette, il a attaché à sa serviette, et puis il nous a dit, allez-y en paix. On a payé les éléments, on est parti. Au fur et à mesure que je mets les sachets qu'ils ont fait pour mettre lui là-dedans, là, quand je mets le sang de Jésus, là, ces sachets-là mettent des déchets, et puis je bande le bras. Après, je mets une autre bande dessus pour que ça puisse sortir un peu. Il dit, bras là, moi-même je suis papa, je suis maman. Les enfants ont fait enfant là pour abandonner dans ma main. Si je reste là, ça là devient plein là. Je ne vais pas aller faire commerce, on ne va pas manger. Donc Dieu de papa Florent, il ne faut pas ça là, va devenir prêt. Mais faire sortir le bras et que ça finisse comme ça. Au fur et à mesure, c'était ma prière. Au fur et à mesure qu'on prie, on vient chez papa, il prie là. Le bras là, ça diminue de volume. Et puis au fur et à mesure, ce n'est pas devenu plein. Dernier jour, on est venu demander pardon maintenant, là, qu'on est venu demander la route pour dire qu'on s'en va là. Bon, quand on est quitté chez papa dans le couloir là, je vois un petit fer qui sort en haut de sa robe comme ça là. Un petit fer comme ça. C'est, tu vois, frein de vélo ou bien frein de moteur là, c'est comme ça. Et puis j'ai vu le petit nœud ici, quand j'ai tiré, c'est sorti pour. Un long fer. C'était un câble même. J'ai vu frein de moto là. Oui, oui. Voilà. C'est quitté dans son corps. J'ai vu, c'est là comme ça. Elle était à côté de moi. Elle dit, quand j'ai fait ça, en même temps, là, c'est sorti comme ça pour. Bon. J'ai dit, ça, là, on doit retourner encore là-bas. La population qui est là-bas, c'est ceux-là vont nous permettre. Pourquoi on arrive pour aller monter à papa pour prendre la photo? Il dit non, les gens sont trop. Et j'ai balancé, en ce moment-là, il y avait un terrain vide à la droite. Là. J'ai balancé ça là-bas, on est parti. Et puis on est revenu maintenant. Papa dit qu'il fallait revenir à le faire. Pendant qu'elle-même, elle est là, elle a arrêté là, le faire. Là, on allait prendre la photo. Bon, on ne s'est pas gâté. Un jour, tu as rentré. En ce moment, elle avait 3 ans. Elle ne partait pas encore à l'école. Cette année-là, elle a 7 ans. Elle va à l'école. Elle avait 3 ans. Maintenant, là, on me dit que c'est la sorcellerie. Elle ne voulait pas prendre sorcellerie. Elle ne voulait pas prendre, c'est ça, on l'a lié son bras. Quand son bras serait coupé, quand la douleur va lui faire mal, elle va accepter, elle va me donner. D'accord. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, la voilà. Elle a 7 ans. Le bras est propre. Elle va aussi. Elle s'appelle Fofana Grâce Emmanuel. Fofana, ça va? Tu te sens bien? Faut regarder la caméra. Faut regarder. Et ton bras qui te faisait mal là. C'est ça qui est là. Aujourd'hui, ça va? Fais comme ça. Ok, ça marche. En tout cas, c'est un grand témoignage. Elle est guérie. Vraiment, c'est le fait qu'elle est sortie de son corps. C'est un câble même. Elle était dans tout un câble de pierre. Tu sais, au village là-bas, comme toi, tu es là, tu as grandi ici. Là. On fait pierre comme ça et puis on met un câble là. Animaux la mettent là-bas. Là. Voilà, c'est comme ça. Quand c'est sorti là, c'est comme si le frein de la moto ou bien de vélo, quand tu fais comme ça, c'est qui rejoint les autres. Voilà. C'est comme ça, c'était. Donc c'est comme si c'était le câble qu'on avait pris pour l'attacher. Oui, là, pour l'attacher. Voilà. Bon, en ce moment, là, la maison d'en bas, là-bas, petit, quand on est coincé, vraiment, on est coincé. Il dit, on a fait pousser. Là, on doit retourner encore là-bas pour amener les gens. Bon, j'ai balancé ça comme ça. Et puis, on a continué notre chemin pour aller. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, elle est rétablie. Elle va très bien. Elle va très bien. Un grand témoignage.